Hello tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je viens partager avec vous une recette très facile à réaliser chez vous, une recette qui va vous aider pour le corps et le visage. Donc, si vous souffrez d'excès de sébum, si vous avez la peau très irritée, si vous avez des taches et tout, cette recette va vous aider. Si vous avez aussi des acnés au visage, donc c'est une recette, comme je dis, très facile à réaliser. Donc, ici, j'ai mon argile. Donc c'est du kaolin, n'importe quelle argile, même avec l'argile verte ça passe. Moi je n'en ai plus, c'est ça, mais sinon l'argile verte aussi est super. Mais voilà, sinon moi j'ai ici du kaolin blanc en poudre, voilà. Et le deuxième produit que j'ai, c'est mon miel. Donc le miel, c'est un super produit qui aide pour les seuils de sébum. C'est un produit également qui joue le rôle d'antiseptique. Il est puissant en antiseptique, bien sûr. Et aussi, il aide pour les acnés. Et le troisième ingrédient, et dernier ingrédient, c'est notre citron. Donc voilà, notre citron qui est super bien aussi pour l'excès de sébum, qui lutte contre l'excès de sébum, contre les acnés, et qui est un super antiseptique également. Et aussi le citron éclaircit naturellement. Voilà. Donc pour commencer, nous allons prendre dans un bocal en plastique notre argile blanc. Ensuite, nous allons rajouter ici le miel. Donc en fonction de la quantité que vous aurez, moi ici j'ai voilà une bonne cuillère, voilà. Une cuillère comme ça de mon argile blanc. Donc je vais prendre une bonne cuillère de mon miel, une bonne cuillère, voilà. Et je vais rajouter une moitié de notre citron, voilà. Donc je vais rajouter une moitié, voilà, de notre citron. Donc je vais constituer une bonne pâte que je vais utiliser sur tout mon corps et mon visage. Donc si vous reproduisez ça chez vous, voilà, vous l'utilisez sur tout votre corps et sur le visage aussi. Donc voilà, je suis en train de mélanger pour obtenir une bonne pâte bien homogène, voilà. Donc en fonction de la quantité d'argile que vous allez rajouter, vous rajoutez la quantité de miel. Donc c'est une cuillère, vous prenez une cuillère, mais si c'est 2, 3, 4, vous prenez en fonction. Donc voilà, moi je vais bien mélanger ici le tout. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Et puis quand vous avez ça, vous appliquez. Vous appliquez sur tout le visage. Voilà, vous appliquez sur tout le visage, ça va vraiment vous aider. Vous appliquez sur tout le corps comme massage, en masque, voilà, en massage. Comme masque sur tout le corps, vous allez voir, ça va vraiment vous aider si vous avez l'excès de sébum sur votre peau, si vous souffrez d'excès de sébum au visage, si vous souffrez d'acné, de taches même sur tout le corps, ça va prendre soin de votre peau, assouplir votre peau, la rendre souple, la rendre douce, voilà. Donc c'est un très 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 bon remède pour toutes celles qui souffrent aussi d'acné sévère, d'acné, voilà, vous pouvez aussi l'utiliser, c'est super bien. Moi tout à l'heure je vais aller l'appliquer sur tout le corps, voilà. Ces derniers temps vous voyez que je partage un peu plus d'astuces avec les produits et les ingrédients naturels et tout. Cela est dû au fait que je vous ai expliqué, j'ai eu trop de problèmes avec ma peau, j'ai eu trop de soucis avec ma peau. Donc quand je peux, je vire au naturel, je vis au bio, voilà. Donc ça m'aide beaucoup, parce que je vous ai dit ici que j'ai eu beaucoup de soucis avec les veines, avec les végétaux, en utilisant des produits vraiment qui n'étaient pas vraiment conseillés, qui n'étaient vraiment pas bons pour la peau. Et voilà, j'ai payé le prix. J'ai eu plein de végétaux, j'en ai toujours, voilà, vous pouvez constater que j'en ai un peu encore. Il n'en reste pas beaucoup, mais c'était très, très, très grave d'ailleurs. C'était grave, c'était rempli, c'était vilain à voir et tout. Aujourd'hui, Dieu merci, je peux m'habiller comme ça et sortir, il n'y a pas de problème. Ma peau a récupéré son éclat, sa douceur, sa souplesse, son élasticité, voilà. Et donc, tout cela est dû au fait que j'utilise beaucoup d'ingrédients naturels dans ma routine de soins de la peau. Et c'est pareil aussi pour le visage. Avant, j'avais plein de fards. Partout, les contours d'yeux, voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se maquiller, vous avez remarqué même dans les vidéos, j'aime pas vraiment me maquiller, j'aime pas. Et voilà, quand je me maquille, c'est vraiment pour des circonstances, pour des situations, des occasions bien précises, voilà. Et donc je m'applique, je fais tous ces soins là pour vraiment avoir
une peau quand même, voilà. Donc, je vous exhorte aussi à passer au naturel, au bio, de temps en temps, hein, ça va vous aider, surtout pour votre peau, ça va vous aider, ça va vraiment énormément vous aider. Donc, en plus de tout ça, de cette recette, nous avons aussi un savon qui est fait avec de l'argile, du miel, voilà. Donc, notre savon aussi ici, il est fait avec de l'argile, du miel, de l'huile de coco, voilà. De la vitamine E et de l'huile d'amande douce. Donc c'est un super savon réparateur pour tout type de teint et tout type de peau. Donc vous avez ce savon au prix de 1500 francs. Vous l'avez en 280 grammes à 3000 francs et 500 grammes à 7000 francs. Donc c'est un savon réparateur. C'est un savon qui va prendre soin de votre peau, faire ressortir l'éclat de votre peau. C'est un savon qui va réhydrater votre peau, vous donner redonner la souplesse, adoucir votre peau. Et c'est un savon qui n'irrite pas, qui est très doux. Voilà. Donc notre savon ici, voilà, il n'est pas encore étiqueté. Nous sommes en promotion jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis nous allons passer au prix normal. Donc je vous attends, je vais laisser mon numéro à la barre de description ici, et puis voilà, pour celles qui aimeraient avoir plus ample information, voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye famille, à bientôt.